Qu'est-ce qu'il y a cette fois? Laisse le temps de voir venir la mort. Ces scorpions tuaient un homme plus vite qu'un cobra. J'aime autant éviter de les combattre. Montre-moi ce que tu sais faire. Toi de jouer. Admirez le talent.
Allez, impressionne-moi. Ça, je veux bien le faire. Je ne reçois pas assez d'attention. J'ai déjà vu cet aiguillon. Je peux le faire. Vous ne trouvez pas le faire. Ils vont et viennent. Et si je les piégeais sur le chemin? Que feriez-vous sans moi? Vas-y, mon numéro. Puisqu'il le faut. Montre-moi ce que je sais faire. La chute était plus douloureuse que prévu. Mes respects. Je suis Castor. Ton aide arrive à point nommé. J'aurais fini par réussir à me libérer. Mais je peux pas aider mon frère Pollux. C'est pas ma faute. Mon frère et moi avons été piégés dans la grotte. Je suis parti chercher de l'aide et te voilà. J'adorerais vous régaler de notre histoire, mais pour faire court, nous chassions des monstres et nous avons été dépassés par les événements. Et sa vie sera plus courte encore si nous n'allons pas le sauver. Ou pas. Quelle grandeur d'âme! Je te couvrirai bien d'éloges, mais le temps presse. Il est plus loin par là. T'auras besoin de cet appât pour piéger les scorpions qui t'attendent. Fais bien attention à toi. Il m'en voudra, mais ignore-le. Hâte-toi, je t'en conjure. J'ai besoin de m'étirer.
scorpion bloque ce crochet. J'ai vraiment bien fait de venir.
Regardez-moi. Pas maintenant. Peut-être plus tard. Viens ici. En attendant mieux. Piètre. Allez, impressionne-moi.
Je me sens bien. Je n'en ai pas besoin. Je peux le faire, pas moi. Bien sûr. Des gratouilles ? Oh, faites-moi des gratouilles. Tu peux passer. Thank you.
Oui. Et j'aurai plaisir à manger ces ravisseurs. Merci. Montre-moi ce que tu sais faire. J'ai déjà vu cet aiguillon. Allez, impressionne-moi. Piètre. Vas-y, le numéro. Admirez. Scorpion bloque ce crochet. J'ai vraiment bien fait de venir. Toi de jouer. Je ne peux pas. Alors non. Qu'y a-t-il ici ? Montre-moi ce que tu sais faire. Bien sûr, vous ne pouvez pas le faire. Ha ha ha!
Qu'est-ce qui ferait sortir les scorpions de leur nid, à part ma chair ? Puisqu'il le
peux le faire. Pas moi. Ça, je veux bien le faire. Vas-y, c'est ton numéro. Allez, impressionne-moi. Je peux le faire, pas moi. Que feriez-vous sans moi?
Votre infinie sagesse vous permettra bien de me créer un chemin. Puisqu'il le... Reviens ici. Montre-moi ce que tu peux faire. Vas-y, un numéro.
À toi de jouer. Piètre créature. Combien vais-je devoir en affronter ? Montre-moi ce que tu as l'air. Bien sûr.
Bien, allons-y. Je peux le faire, pas moi.
hâte que ce moment arrive. Vas-y, prends ton numéro. Admis. Une chance.
Allez, impressionne-moi. Mortel qui n'a pas le droit de mourir. À toi de jouer. Je dois faire quelque chose. C'est mieux. Admirez le talent. Je l'avais bien dit. Regarde-moi. Oh. Je peux le faire, pas moi.
Ça reste à voir. Tu es honnête. Si c'est mon frère qui t'envoie, voici ce que tu peux faire pour m'aider. Ordonne à ce lâche de s'offrir au corbeau. C'est le minimum. Il a dit que vous seriez fâché et de vous ignorer. Si vous le souhaitez. Attends. Tu as croisé mon frère, n'est-ce pas? Il va bien? Il ne me fait pas confiance. S'il t'envoie, c'est qu'il ne peut pas venir lui-même. Ou que tu l'as anéanti et que tu viens en faire de même avec moi. Tu ne réussiras pas. Je me bats mieux que lui. Sortez votre épée et mettez-moi à l'épreuve. À défaut de savoir te battre, je dois dire que tu as du répondre. Tiens donc. Voilà ta chance de faire tes preuves. Je me sens bien. Ne laissons rien passer. Achève-le.
Arrêtez-vous. Porte-lui le coup de grâce. Ah, tu as survécu. Pas un mince exploit dans ce repère de scorpions. Il semblerait que mon frère et moi ayons trouvé un Égyptien à Égyptos qui sait se battre et qui, pour couronner le tout, comprend parfaitement le grec. Mais ce corps n'est qu'une coquille, pas vrai? Un hôte mortel. Impressionnant, certes. Et mon frère a-t-il... Ah, le voilà. Le maître épéiste en personne. Ah, tiens ta langue, Pollux. J'ai apporté l'épée qui t'a sauvé la vie. Et que lui as-tu promis en retour? Il a peut-être été question d'une dette éternelle. Castor, tu es incorrigible, vraiment. C'est en faisant confiance à un étranger que nous avons fini ici. Mais regarde dans ses yeux. Il n'est pas d'ici. Oui, je sais. Il est peut-être dans la même situation que nous. Pourquoi est-ce qu'on... Alors, il faudrait y aller, parce que... Bon, d'accord. Laissons de côté les faux-semblants. Je suis d'accord. Écoute, nous ne sommes pas de ce royaume, et malgré ce costume de mortel que tu portes, toi non plus. Offre-nous un abri et nous t'offrirons nos connaissances sur la chasse. Il ne sait pas manier l'épée, mais mon frère n'a tout de même pas son pareil pour chasser. Ah, savourons quelques instants ce rare compliment. Oh, le moment est passé. Alors, qu'en dis-tu, noble étranger? Ensemble, nous survivrons peut-être à ces terres étrangères. Alors? Oh, ma main! Tu ne risques rien, tu peux me faire confiance. On dirait que t'as pas l'habitude des poignées de main. Bref, pas de problème. Si t'es d'accord, ouvre la marche. Il me tarde de quitter cet endroit. Tu peux passer. Je sens que tu souhaites parler. Va en paix et reviens-nous.